Bon, dans les arrivages du jour, un petit tapis de découpe, un petit module d'essai tout d'essai, avec le petit potard de réglage ici. Le petit générateur de fréquence. Donc celui-là, j'avais déjà fait une vidéo exprès dessus, hein, c'est celui-ci. Donc le cavalier ici qui permet de changer les fréquences par bandeau. Signal sinus ou triangle avec le deuxième jumper sur la troisième broche ici. Celle du milieu, c'est un signal carré automatiquement. Et la masse. L'alimentation se fait ici, bien sûr. Dans les autres petites merveilles du jour, on va voir ça tout de suite après. Des diodes 3 mm clignotantes à 1 Hz. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre petit lot là? On a des petits montages comme ça. Alors celui-là, j'ai déjà posé, mais bon. C'est juste un pauvre clignoteur à LED avec un super capacitor ici que je vais alimenter par des petites cellules solaires. En fait, la cellule solaire, c'est ce que je viens de coller à la colle chaude au fond du boîtier. J'ai acheté des petits tubes comme ça, tubes creux, pour pouvoir déporter certains montages. Et j'ai des petites boîtes magiques pour défaire mes boîtiers, pour poser mes composants dedans. Très pratique. Voilà, et enfin un petit testeur tout pourri, mais bon, qui fonctionne parfaitement, qui fait le job, qui est capable de mesurer tout ce qui est diode, diode zener, transistor, capacitance, résistance évidemment, inductance, et d'afficher surtout leurs propriétés réelles. Donc ça, c'est très efficace et très pratique.